Rimworld, jeu de simulation de gestion de colonie développé par Paimon Sylvester, édité par Ludeon Studios. Nous sommes à la version 14 de ce jeu qui est sorti depuis à peu près 2012 et qui est repris en early access par Steam à l'heure actuelle. Nous allons poursuivre sa progression et ce jeu est vraiment fabuleux. Vous verrez par vous-même. C'est un jeu, vous pouvez jouer des centaines d'heures dessus. Vous en lasserez pas, c'est un jeu super bien fait. Vous pouvez télécharger des mods sur Workshop. Donc, nous allons tout de suite. Nouvelle colonie. Alors, possibilité de choisir des scénarios. Le premier, alors avec trois colons, celui-ci avec un colon et différents loots. Et le troisième, pareil, 5 colons plus différents lots. Moi, je vais prendre celui-là. Vivement, possibilité de choisir l'IA du compteur, Cassandra classique, Phobé, Lamcam ou Randy, hasard. Je vais prendre à la dure et nous allons continuer. Ici, on va prendre la taille 400 sur 300 et on va générer cette partie. Ici, mode, tout affiché, biome, précipitation, altitude, température. Les biomes, c'est ça, les altitudes, c'est ça. Précipitation, c'est cela. Et ici, les températures, comme ça. Nous allons prendre les biomes. Alors, on va sélectionner un site, un endroit. Un endroit précis. Ici, par exemple, c'est plat. Si c'est forêt tempérée avec des grandes collines de l'ardoise et du grès, possibilité d'avoir des cultures. Forêt tempérée pour les biomes, 22,7 degrés, c'est la température maximum, moins 4,9, température minimum. Moyenne température 8,9, c'est pas très chaud, mais je vais prendre ça. On va donc ici, on nous propose niveau 5, amateur doué, patient intéressé, apprentissage 100%, utiliser toutes sortes d'armes à distance. Ici, niveau 6, pratiquant, patient, aucun apprentissage 33%. Je vais plutôt prendre les tirs. Ici, médecine, c'est intéressant, il peut soigner. Social 6. Il peut négocier, convaincre, manipuler, guider et remonter le moral des autres. Et cependant, ce jeu peut faire énormément de choses. On va le découvrir ensemble. Ici, les plantations amateurs, semer, le soin et la récolte des cultures. Ici, de l'art et de la recherche qui est important. Santé, pas de blessure, relation, pas de relation, éléments marquants sont bien trop intelligents, jaloux. Nous allons voir, nous allons créer donc une carte. Nous allons créer une carte. Je suis en train de replacer. Voilà. Alors ici, nous avons donc l'atterrissage de vos colons. Ici, on va se mettre en stop. Vous avez donc ici diverses choses qui sont notifiées. Ça va vous donner une aide pour savoir ce que vous devez faire. Ici, architecte, travail, restrict, assigne, animaux. Passer en revue les factions de la colonie, leurs relations. Je vais le mettre plutôt comme ça. Voilà. Parce que sinon, je vais être plutôt embêté. Alors, nous avons Kuel qui a mal colon, il est sain. On va le prendre parce que il atterrit avec diverses loots. Nous allons donc récupéré et ici nous avons une arme, le fusil à charge. Nous allons donc demander à notre colon de le récupérer. Alors avec la souris vous cliquez droit et vous demandez qui va le prendre. On se met en lecture minimum.
Voilà, il récupère son arme. Alors là-dessus, quand vous prenez votre personnage, vous avez le social. De toute façon, il n'y a rien, le matériel. Il a un équipement de fusil à charge. Là-dessus, vous avez diverses explications concernant cette arme. Voilà. Ici, vous avez des t-shirts. On vous explique. Des vestes en synthé. Et vous avez des pantalons en synthé. C'est important de bien approfondir. Parce que vous allez avoir énormément de choses. Vous avez le social, le matériel, l'aptitude. Et bien sûr, ça peut monter. Vous avez besoin. Alors attention à l'humeur. L'humeur est importante. Plus vous allez baisser dans l'humeur, vous allez en souffrir psychologiquement. Et ça, attention, l'humeur représente le stress ou le calme de quelqu'un. Si l'humeur est trop faible, la personne peut souffrir psychologiquement. On est à 58%. La nourriture, pour l'instant, on est bon. 76%. Le repos aussi. Le plaisir, pour l'instant, c'est moyen. La beauté, le confort et l'espace. Nous avons donc après les besoins de la santé. Alors la santé, vous avez donc ajouté des tâches. Mettons, il serait blessé, vous pouvez donc aucun soutien médical, visite du médecin sans médicaments, herbes médicinales ou pire. Ici, les médicaments au pire ou alors meilleure qualité médicale. Alors on vous dit exactement pour la douleur, conscience, oui, mouvement, manipulation, si c'est bon ou pas bon. Alors, voilà. Et ici, ajouter des tâches, et au cas où il aurait été blessé, vous pouvez donc demander une opération, installer une jambe de bois, poser une nouvelle dentition, récolter au niveau du cœur, récolter au niveau du poumon gauche, récolter au niveau du poumon droit, le foie, euthanasier. Là, il y a pas mal de choses comme ça. Alors, nous, on nous propose les animaux. On ne peut pas être entraîné continuellement, ils ont besoin de pause entre les sessions. Alors ici, on a un animal, cet animal, c'est Piedin, qui est donc un chien, bien entendu, qui a toujours eu mal de colonie, âgé de 9 ans, il attend. Donc là, on va demander, non, c'est même pas un chien, c'est un chat, à première vue. Non, on ne peut pas le dresser pour l'obéissance, libération, sauvetage et transporter. On ne peut pas l'utiliser, donc on va le laisser un peu tranquille. Ici, on a du minerai que je vais mettre en possibilité de récupérer du bois également pour vous montrer un peu comment on joue dès le début. Voilà, alors ici, c'est un peu ça. On va zoomer pour voir un peu. S'il y a d'autres choses que je peux récupérer. Alors l'important, c'est de voir si vous avez des montagnes. Sur les montagnes, ici par exemple, le métal compacté. Vous êtes à peu près sûr d'avoir de l'acier. Et l'acier est très important dans le jeu. Alors, vous en avez ici, je pense, pas sûr. Ici, vous avez par contre machinerie compactée, mais il faudra voir. Et ici, peut-être du jade, oui, voilà. Et cela, vous allez pouvoir commercer avec d'autres colons. Alors ici, ce sont de l'acier, 208, c'est bon de pouvoir les récupérer. Ici, plastacier d'acier compacté, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, il faudra que je vais découvrir. Je suis tout seul, hein, donc ici, au niveau de travail, alors. Je suis tout seul, j'ai le droit de donner des priorités manuelles. Là, ils sont bons un peu partout, un hein, pompier, patient, médecin. Donc si je veux qu'il ait enfin, qu'il fait un travail spécifique, en premier, je me mets sur les priorités manuelles. Tout est à 3. Je demande par exemple la construction, que j'estime que je mets pas 1, que c'est primordial. Mineur, c'est très important également. Fermier, on fera après. Presseur, pour l'instant, c'est pas la peine. Cuisinier,
Je le ferai après également, médecin, on fera après. Pompier, c'est important pour éteindre des feux. Garde forestier, forgeron, tailleur, artiste, artisan, nettoyeur, nettoyer le sang. Chercheur, ça c'est important aussi. Et transporteur également pour l'instant. Oui. Et donc, ça c'est bon. On va donc demander à mon personnage tout de suite au niveau architecte, vous avez donc possibilité de donner des ordres. De quadriller des zones. Voilà la structure. Alors, la structure pour l'instant elle est en acier, mais acier j'en ai pas beaucoup donc la construction va être basée sur le bois. Donc argent, or, acier, je vais mettre sur bois au tout début, au mieux, parce que vous ne pourrez pas faire autrement. Alors ici, ne pas trop, si vous construisez, ne pas trop s'éloigner de nos lotes. Ici, il y a sans doute de l'acier. Je ne vais pas être trop loin non plus de là. Donc l'idéal, ce serait de faire ça à peu près ici. Donc je me suis trompé. Alors architecte structure, on va prendre les murs en bois et ici allez on va faire sur 12 vite comme ça et comme ça. Ici mettre une porte. Et ici aussi, donc on va le laisser faire minimum. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'empresser de chercher du bois pour construire le quadrillage et des portes et mettre des portes pour son local. Je vais prendre au niveau des sols, on va choisir des planches en bois et on va le quadriller comme ça. Voilà, ah, ça c'est bon. Donc là au niveau construction je pense qu'il est bon. Voilà. Hein. Je vais zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Donc, vous voyez, j'ai mis dans la priorité des bois. Ça lui permet comme ça de donner cette priorité à la construction. Alors ici, comme il est dans la priorité également mineure, on va aller voir ici qu'est-ce qu'on a. Au niveau des collines, je pense que ça doit être de l'acier. Voilà, je vais faire comme ça, il va pouvoir sortir, aller là et revenir. Parce que ça c'est important. Alors là, vous avez des animaux, vous pouvez donc chasser des animaux. Vous pouvez apprivoiser des animaux. Vous aurez aussi l'occasion de voir d'autres colons et vous allez pouvoir les amener à survivre avec vous. Alors, vous allez pouvoir même, par l'intermédiaire des femmes, donc possibilité de tomber amoureux, puis, de fonder une famille, ce qui est donc intéressant également. Donc, ils sont en train, je vais accélérer beaucoup plus. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Alors, ici, au niveau travail, je vais donner des priorités. Alors, au niveau production, possibilité de construire des établis de sculptage, des établis de boucher. L'important, l'établi de boucher va être très intéressant au début. De pareil pour la cuisinière à bois. L'atelier Actec de recherche. Le distributeur de pâtes nutritives, et là je vous dis, c'est vraiment important de le faire très vite. Si vous voulez de la nourriture bon marché. Alors ici on va mettre, ce sont des cuves, de façon à récupérer notre production pour pouvoir le mettre dedans. Alors ici, il va falloir, ce sera
légumes réfrigérants, donc un peu un frigo. Et si vous voulez conserver vos aliments au lieu de 1 ou 2 jours, pendant plus de 13, 14, 15 jours, vous êtes obligé de l'alimenter. L'alimenter, moi je vais l'alimenter avec de l'énergie. Et ici, on va demander des panneaux solaires. Et ici, les panneaux solaires, on va essayer de les mettre. Là, je vois qu'il y a des fruits, c'est important de. Allez, je vais en mettre un ici, des panneaux solaires. Ici, on va pouvoir, après, là, ils ne sont pas encore mûrs, ici, mûrs. Donc, on peut récolter ces fruits, ces buissons de baies. Là, après, il va aller s'occuper de faire un peu de minage, ce qui va être très intéressant. On est à 12 minutes au niveau de la vidéo. Donc ici, des colons ont besoin de lits. Voilà, première chose qu'il faut faire, c'est de construire des lits en équipement. En équipement, là aussi, je vais le faire en bois au tout début. Et ici, l'occasion de pouvoir tourner hein, avec la touche E. Vous pouvez donc, je vais le mettre ici. Il sera intéressant. Alors, ici, il faut récupérer. Ces arbres-là. Ils seront faits. Nous allons donc le lit. Possibilité de construire une pergola courte. Voilà, on va mettre des chaises d'un côté, de l'autre. Alors ici, c'est le lit, on va définir le propriétaire. Quoi Il est mis dessus, donc c'est bon. On peut définir le lit comme médical. Ça permet de soigner les personnages qui sont blessés. Donc c'est intéressant. Ici, là, des arbres que je vais demander de couper. Alors ici, je vais pas m'en occuper. Ce sont des gravats de l'ardoise. Si je veux les faire partir, j'ai juste. Alors, ici j'ai mis table et chaise. C'est bon. On va mettre tout de suite dans la production. Un établi de boucher. On va le mettre ici. Là, il est en train de dormir. Il faut qu'il récupère. Donc. On me demande de placer des zones agricoles également. On est à 13 degrés extérieur, il fait pas très chaud. Donc ici on va demander d'enlever pour donner une priorité au niveau mineur. Alors on va le mettre en 3. Voilà. En 2. Et là on va mettre mineur en 3. Ça, on verra après. Là, c'est quoi? Là, je peux demander aussi qu'est-ce que c'est comme minerai, savoir si ce minerai pourrait m'intéresser pour construire diverses choses. Alors, établi de boucher, c'est bon. On va mettre une cuisinière à bois. Donc, oui, au début. Tourner là comme ça, on peut mettre également au niveau énergétique. Donc, je peux mettre une batterie et on peut mettre des câbles électriques également. Après, au niveau des panneaux solaires, ici, c'est donc la production. Où est-ce qu'il est parti? Oui, donc il est en train de. C'est du plastacier compacté.
prendre plus. Et là, après, il va aller ici pour me récupérer de l'acier. Parce que l'acier, c'est important pour construire. Donc, des panneaux solaires ou des distributeurs de pâte nutritive ou de construire des réservoirs. Un peu long, on va activer un peu plus. Ça, c'est dur en première vue. Hein. En plus, il n'est pas un mineur expérimenté. Donc, il y a ça aussi. Bon, par la suite, après, je risque d'avoir d'autres colons qui vont venir se joindre à moi, si je veux. Bon, voilà. Il est en train de. Alors, ici, maladie, mécanique sans sourire, ça c'est embêtant. Ouais, il est tombé malade. Assurez-vous que vous pouvez bénéficier d'un traitement adéquat et passe autant de temps que possible au repos dans un lit. Ok, donc si c'est comme ça, on va lui demander d'aller au lit. Repos. Voilà. On va y aller comme ça et on va le faire dormir pour qu'il récupère. Je vais lui mettre son lit médical. Comme ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ici, alors, on a bien de l'acier. C'est ça qui est intéressant. On va laisser se reposer. Cette maladie m'embête un peu. Oui, vous aurez affaire aussi à des animaux sur la carte qui sont fous et qui vont attaquer mon personnage. Mon personnage, d'ailleurs, je vais le mettre sur. Par rapport aux ennemis, c'est comment il doit se comporter, s'il doit attaquer ou être sur la défensive. Moi, je vais le mettre sur l'attaque avec son fusil. Donc là, on va lui enlever ça maintenant. Je pense que ça devrait peut-être aller, j'en suis pas sûr. On va lui donner donc d'autres ordres, repos. En 3 et on va lui demander donc d'être mineur. Voilà, premier. Et en constructeur également. Donc il va continuer son travail de mineur. Il va où? Attention mon gars. Alors il va continuer hein, donc à construire ses distributeurs de pâte nutritive et ses réservoirs, de même que le solaire qui va me permettre, les panneaux solaires vont me permettre d'avoir du courant. On pourra mettre par exemple des torches comme ici. L'équipement, on peut mettre des lampadaires. Et ces lampadaires, ouais, je peux en mettre juste à côté de son lit. Et je peux en mettre ici trop loin. Je peux en mettre un là finalement. Voilà. Et lui, il va falloir qu'il soit construit. C'est pas rare, oui, ça c'est un petit peu logique. Je vais devoir construire un peu. Des jardins, nous allons donc ici aller sur les zones. On va faire une zone agricole. Zone agricole, on va la définir ici, par exemple. Comme ça. Et ici, plein de pommes de terre. Moi, je vais choisir le riz. Choisir un deuxième ici. Voilà. Du maïs. Là, on va faire des fraisiers. Il faudrait déblayer, mais ça se fait automatiquement. C'est pour ça que je m'embête pas.
Et si on autorise l'ensemencement, et si les pommes de terre, par exemple, je vais les laisser, il faudrait mettre du coton également pour pouvoir faire des habits. On peut faire énormément de choses. Et ici, on va faire des plants de coton pour faire des habits. Et ici, des habits, vous allez donc pouvoir. Choisir un établi de tissage électrique ou manuel. Si je mets un manuel, il faut de la place. Hein, je peux le mettre comme ça. Voilà. Ça, ces arbres vont être construits. Allez, on se met au maximum. Faut que ça va un petit peu plus vite. Donc ici, tu es en train de construire des chaises puisqu'il a de l'acier. Ici, on va pouvoir continuer à lui donner des ordres concernant le minage. Et lui, il va continuer de construire table, chaise. Ici, un établi de bouche en métal. Si je veux chasser et pouvoir, alors cela, attention, hein, ne les prenez, ne les chassez pas, les ratabooms, parce que sinon ça va exploser. Et ils vont mettre le feu dans toute la région et vous allez être en danger. Alors là, il termine la maison, donc avec la toiture. Ici, il continue de faire des minages, comme ça, il va continuer à faire. Alors, un groupe de voyageurs de ruisseau, du Esquire passe dans les environs. On peut commercer, donc on aura peut-être la possibilité de commercer avec ces gens-là. Ici, ce serait bien de récupérer, de pouvoir le mettre plus par ici, mais j'ai pas tellement le temps. Surtout qu'on doit faire l'agriculture. Et l'agriculture d'ailleurs, on va le mettre si je veux qu'il le fasse. Fermé. Voilà. Donc, on n'a pas des remis. Il va falloir. J'ai besoin de panneaux solaires. Bon, il va partir là-dessus, c'est ça qui m'ennuie. Je voudrais qu'il finisse la construction. Alors, si je veux qu'il fasse la construction en premier, je vais demander qu'il construise le plus rapidement possible. Là, il est parti dormir. Donc voilà, quand vous êtes blessé, hein, vous avez une maladie, l'idéal c'est donc, je vais le mettre sur stop. L'idéal c'est de dormir pour récupérer. Ici, maladie, comme je dis. Bon, ça c'est, je pense que c'est bon. La capsule de sauvetage, vous avez détecté une capsule de sauvetage qui s'est violemment écrasée dans les environs. Si l'impact a laissé des survivants, ils doivent être gravement blessés. Alors, sachez aussi que le jeu c'est un let's play. C'est donc un épisode, l'épisode 1 sur ce jeu. Voilà. Alors ici, un groupe d'Alpha Castor affamé vient juste d'arriver. Essayez de les éliminer avant qu'ils n'aient dévoré jusqu'aux dernières larmes de la région. D'accord, se rendre sur les lieux, ils sont quelque part par ici. Ils sont quelque part par ici. Alors ici, nous avons des buffalos qu'on pourra élever. Il faudra prendre un mâle et une femelle et on va devoir les apprivoiser pour pouvoir construire un box de façon à. Oui, toujours blessé. À toujours. Faire de façon qu'on a des bébés, de façon à progresser dans l'élevage. Moi, ce qui m'embête, donc, il faut qu'il dort. Il est toujours blessé. Là, on va voir un peu. Il devrait partir sur la construction normalement.
Construction. Il devrait fermer. Allez. Il continue de miner et on va essayer de construire son premier panneau solaire. Allez, nuit fait noir, le climat, nous avons l'été, l'hiver. C'est très important. Il récupère ses loot. Il faut qu'il mange s'il veut pouvoir s'en sortir. Alors voilà, maintenant je vais donner la priorité pour les panneaux solaires. Et sur ces panneaux solaires, voilà, il va commencer le soleil. S'il en a pour l'instant, c'est de l'eau, donc c'est embêtant. Je vais lui mettre des câbles. Alors les câbles énergétiques, les câbles électriques. Voilà, on va donc alimenter ici. Et on va alimenter voilà ici, ça devrait fonctionner. Et j'ai deux lampes, il faut attendre que la batterie monte, et comme il pleut pour l'instant, il faudra un peu de patience. Il faut du soleil, l'une des lunes sous cette planète orbite actuellement parce que le soleil n'éclipse a commencé, d'accord. Ici l'été vient de commencer, mais l'hiver arrive. Alors il faut faire de la production. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va demander la priorité à la ferme. Et ici la construction, on va se mettre en deux. Donc le fermier est donc le plus important. Et on continue. Alors vous avez la possibilité hein, de faire de l'électricité par les panneaux solaires, mais vous avez la possibilité de le faire avec des générateurs à combustible en produisant des bois, donc des arbres. L'éolienne, ça peut être intéressant, mais ça demande beaucoup d'acier. Donc ça c'est plutôt embêtant, il est toujours malade. Qui dort vraiment, enfin bref, voilà, il pleut abondamment. Oui, zone de stockage, je veux bien, mais ici je demande une zone de stockage pour là. Alors, les zones de stockage, je peux les définir ici par exemple. Alors. Voilà. Ah, c'est une zone de stockage. Il est en train de produire, de semer du riz. Donc il va continuer à faire de la semence, qui est donc assez important. Il n'a pas encore construit tout ce que j'ai demandé. Comme par exemple, ah si, l'établi de tissage. Alors en tâche, on peut lui demander, mais pour l'instant c'est pas la peine, je n'ai pas encore de coton. Donc on va attendre. Ici, cuisinière en bois, il n'est pas encore construit. Et ici l'établi de boucher en métal. Alors je peux demander des tâches et demander de dépecer une créature. Si admettons je vais demander je vais mettre la priorité dresseur, cuisinier, chasseur, voilà. Et là je vais mettre en deux, et ici on va mettre en chasseur. Et là sur chasseur on va essayer de trouver des animaux. Et pour pouvoir les chasser, pour vous montrer un peu, alors on va voir si je retrouve. Les geysers sont très importants, ça dégage de la vapeur, ça vous permet de. Alors ici, ce sont des baies. Je vais demander d'abord de récolter quelques baies, c'est plus facile. On va monter notre stock. Alors là c'est pour ramasser, donc voilà. Alors là vous voyez c'est en train de produire en électricité. Et là j'attends que ma batterie, voilà, là les lampadaires s'allument,
J'éclaire ma maison, c'est très important, et ma batterie commence à produire de l'électricité. Et ça, c'est bien. Alors ici, non, c'est pas encore mûr. Ici, voilà. Et on va demander de mettre la priorité au niveau transporteur. Voilà. Ça permettra donc de ramasser tout ce qui est important. J'ai pas encore fini de faire toutes les semences. Voilà, il ramasse toutes les choses. Voilà. Et ici, je peux demander réparateur permis, chercheur, nettoyeur, contrôleur repos, dresseur, geôlier, pompier, patient, médecin, réparateur. Nettoyeur, ça peut se faire. Ouh, au feu. Alors là, on est au feu. On va demander de faire les réparations. Et au niveau des réparations, nous allons faire ici réparateur. On va mettre dans la priorité. On change un peu. Alors, le petit fléau. Ouais, détruire nos cultures. Oh, super. J'y crois pas. Ici. La pluie a provoqué un court-circuit. On a un distributeur de pâte nutritive et un incendie s'est déclaré. Ok. Donc c'est vrai qu'on va réparer de façon à pouvoir produire. Ici nous avons des baies. Ces baies, grâce à l'électricité, c'est non réfrigéré. Ça va pourrir dans 13 jours. Voilà. Donc, si c'est réfrigéré, automatiquement je le garderai beaucoup plus longtemps. Allez, on va demander à Kuei de s'en sortir malgré sa maladie. Je vais le mettre également en tâche médecin et patient pour voir s'il y a possibilité de se soigner par l'intermédiaire des trousses de secours qui sont ici. Médicaments avancés. Là est en train donc de tout réparer et là aussi est en train de faire les semences. Donc il avance bien malgré sa maladie. On continue de faire ce qu'il a à faire. La priorité dans le travail, ça peut être aussi fermier. Et encore à prendre au niveau des mineurs. Ça y est, ça recommence. Là, ça a recommencé. Donc ici, distributeur de pâte, il a explosé. Court-circuit. C'est embêtant. Il faut réparer. Mais ici, la réparation, on va mettre en priorité. Voilà. Et ça recommence. Il m'a tout détruit. Super. Donc là, je vais pouvoir reconstruire mon distributeur de pâte. J'ai pas le choix. Donc là, il répare. Il donne sa priorité. Et ici, on va se mettre en stop parce que nous avons des messages. La pluie a provoqué un court-circuit dans le distributeur de pâte. Voilà, je le savais. Ici, vague de chaleur, une vague de chaleur inhabituelle a commencé. Attention au coup de chaleur. Alors, si la chaleur, il va falloir installer au niveau. Il y a plein de choses à parler. Hein. On va avancer au fur et à mesure. Là, c'est les loisirs. Ici, les températures. Alors, il fait trop chaud. Ventilation, ventilé, climatisé. C'est important. Alors ici, il faut qu'il est bien entendu câblé. Et ici, climatiseur, ventilation. Alors,
Oh, je pense que ça servira pas trop à grand chose pour ça. Voilà, ça c'est bon. Là, il a pas fini, donc au niveau mineur, je vais devoir lui demander réparateur mineur. Si cela peut provoquer encore une fois, c'est bon. On va essayer de d'avancer. Donnons des priorités, surtout aux mineurs, réparateurs. De le faire moi dormir un peu quand même. De façon qu'il travaille un peu plus, qu'il dort un peu moins. Vous voyez, c'est vraiment un jeu super. On est qu'au début du jeu et il y a plein de choses à faire. L'acier est important au début, mais vous pouvez aussi à côté de l'or, du jade. C'est très important. Vous voyez ici, il travaille bien. Au niveau des panneaux solaires, ça permet de la batterie, donc de la réserve. Et ici, il faut que je répare les pâtes nutritives parce que c'est mon aliment de base. Alors, je vais demander qui chasse. Alors, voilà, comme j'avais dit, si je prends un castor, je lui demande de chasser. Il y en a un, il y en a un deuxième, et je vais demander. Qui chasse, on va mettre dans la priorité. Donc on va et on va demander donc de chasser ici, mettre dans la priorité. Voilà, on va un peu qu'est-ce que ça va donner. Là pour l'instant il est mineur, mais ça va plus tarder, il va aller chasser ici. Alors je vais demander, pour l'instant la cuisinière en bois je l'ai pas, mais j'ai l'établi de boucher. On va demander en tâche de dépecer une créature. Je vais en chasser deux, comme ça va se faire. Et c'est parti. Donc il chasse, c'est super bien fait. Voilà, je vais en rattraper deux. Il est en train de ramasser l'acier pour pouvoir construire une cuisinière en bois de façon à faire des tâches et des tâches à plat simple, un plat raffiné par exemple, en faire un. Bon, là il est reparti dormir, il n'y a pas encore fini là. Il faut ramasser maintenant au niveau de travail. Et on va chercher à nettoyer les transporteurs artisans, chasseurs, transporteurs. Allez. Pourtant demander des tâches. Tu dors. On n'est pas trop décidé. Là, la nourriture à ramasser. Donc on le let's play de sur l'épisode 1 va s'arrêter là. Et je vous reprendrai pour la suite, ce seul aspect de ce jeu, Rimworld, qui est donc un magnifique jeu, je vous le dis. Allez, je vous dis, passez une bonne nuit, puis à demain.